Comme chaque semaine, je vous emmène découvrir les artisans qui font battre le cœur de l'Hexagone et les lieux qui font son prestige. Aujourd'hui, dans cette émission de version française spéciale Lausanne et ses environs, le musée cantonal des Beaux-Arts héberge en son sein architectural une collection impressionnante et variée. C'est dans le canton de Vaud que le chef Franck Giovannini a posé ses valises étoilées dans le mythique hôtel de ville de Crissier. Chez Victor et Rolf, les robes de bal et les maîtres de tulle vont vous faire tourner la tête au sens propre comme au figuré. Alexandre et Martineau sont les joyeux fondateurs de Swissco. Ils modernisent le savoir-faire séculaire de la création de coucou. Et juste avant de rencontrer le chef Franck Giovannini, tout de suite point de vue. Tout comme le dadaïsme, l'artiste et danseuse Sophie Teuber-Harp est née en Suisse. Et c'est dans ce mouvement que s'inscrit pleinement sa série de têtes dada créée entre 1918 et 1920 à Zurich. Réalisée en bois tourné, Teuber remet en cause la hiérarchie que l'on retrouve entre beaux-arts et arts appliqués. Ici, les lignes des yeux ou du nez se courbent, se déstructurent et se parent d'aplats de couleurs. Inspirée par la géométrie des masques tribaux, on retrouvera d'ailleurs des références semblables dans ses toiles. Hommage au trésor helvète avec trésor caché de la Suisse, qui présente ici 40 lieux à découvrir aussi bien au détour d'un chemin qu'au cœur d'une ville. On s'éloigne des guides touristiques classiques pour partir à l'aventure des merveilles du pays, articulées autour de quatre thématiques, l'histoire, la nature, l'eau et l'architecture. On vous conseille un crochet par le sentier des Toblerones, où vous pourrez retrouver les vestiges d'obstacles anti-chars ou encore une halte rafraîchissante à la cascade du Dard. Tellement populaire, le couteau suisse est même devenu une expression. Mais connaissez-vous vraiment son histoire? À votre grande surprise, cette invention est suisse, et oui. C'est à la fin des années 1880 que l'armée suisse fait l'acquisition d'un couteau pliant afin de permettre aux soldats de manger, mais aussi de démonter leurs fusils grâce à lui. D'abord en chaîne, il devient plastique au fil du temps et s'habille de nombreux accessoires comme une scie ou encore un tire-bouchon. Malin! Entre classique et contemporain, le musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne nous présente une sélection d'œuvres et leurs petits secrets. Au musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne, le public peut découvrir sur plus de 1200 m² une sélection de 11 000 œuvres que comptent les collections depuis l'art ancien jusqu'à l'art d'aujourd'hui avec comme motto « Venez voir à Lausanne ce que vous ne découvrirez ailleurs ». Anciennement situé dans le palais de Rumine, le musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne était historiquement consacré aux artistes de la région. Il mettait ainsi en avant de nombreux peintres suisses et notamment vaudois comme Ferdinand Hodler ou Félix Vallotton. Puis au fil des siècles et des conservateurs, le musée s'est petit à petit diversifié et a ouvert ses portes à de nombreux artistes étrangers grâce à des dons, des dépôts ou des achats. En 1936 puis en 1939, la donation de la collection du docteur Widner est l'occasion d'ouvrir les collections plus largement, chronologiquement. Il ne s'agit plus uniquement de peintures suisses contemporaines, mais d'ouvrir les collections aussi bien à l'art égyptien qu'à l'art post-impressionniste. Et grâce au docteur Widmer, ce sont des œuvres de noms très connus qui entrent dans les collections du musée cantonal des Beaux-Arts, telles que, par exemple, Cézanne, Renoir, également des sculptures très importantes d'Auguste Rodin. Et c'est en 2019 que la ville inaugure le nouveau bâtiment du musée, imaginé par les architectes barcelonais Barozzi et Vega. Les architectes ont construit un bâtiment de 145 mètres de long sur 22 mètres de haut. Il était très important de conserver des traces de ce passé ferroviaire en gardant des éléments de la majestueuse halle aux locomotives qui était ici à cet emplacement. Une architecture brutaliste que l'on retrouve aussi à l'intérieur et qui, dès l'entrée dans le musée, interpelle le visiteur avec cette œuvre monumentale qui s'élève jusqu'au plafond. Au cœur du musée, dans ce hall, trône cet arbre majestueux de plus de 14,50 m de hauteur.
C'est une œuvre d'art réalisée par l'artiste italien Giuseppe Pennone en 2011 qui nous a été offert par la galeriste et mécène lausannoise Alice Poli. C'est une œuvre monumentale de plus de 3500 kg réalisée en bronze, en feuilles dorées et aussi en granit avec cette boule assez mystérieuse qui est comme posée au-dessus de l'arbre comme si elle venait de tomber du ciel qui pèse 800 kg. Après avoir monté les quelques marches en béton, on découvre le premier étage qui abrite la collection Beaux-Arts. On retrouve des œuvres d'artistes internationaux comme Rodin, Giacometti, mais également de nombreuses œuvres de peintres suisses comme une collection de toiles d'Alice Bailly, une artiste genevoise. Dans ce tableau, Alice Bailly s'intéresse à la représentation du mouvement. L'éventail balère au point d'entraîner tous les éléments qui sont représentés ici sur la toile. Une toile peut-être qui représente une scène qui se déroule en plein air, comme on peut-être le penser, de par les touches brunes et vertes à l'arrière-plan qui contrastent avec les tonalités du premier plan qui sont plutôt dans les tons blanc, rose et gris. Au deuxième étage, une sélection contemporaine est exposée. Toiles, sculptures, installations poussent le visiteur à se questionner, notamment avec cette pyramide réalisée par Julien Charrière. Il a voyagé dans les îles Marshall où, de 1946 à 1958, le gouvernement américain a réalisé plus de 70 essais nucléaires. Cette installation se compose de 259 noix de coco enfermées dans des chapes de plomb. Le plomb qui a cette particularité de pouvoir renfermer les rayonnements radioactifs. Également une photographie d'un paysage qui semble de prime abord paradisiaque, mais on sent que l'image commence à être rongée. À cet étage, deux espaces accueillent régulièrement des expositions temporaires dont l'impressionnante hauteur sous plafond permet l'installation d'œuvres monumentales. Une déambulation qui rend hommage à la Suisse et où les murs et le plafond eux-mêmes sont de véritables œuvres d'art. Faisant honneur à ses pairs, le chef triplement étoilé Franck Giovannini nous raconte son parcours suisse dans les cuisines de l'hôtel de ville de Crissier. Là, je vais trouver un départ de petit menu. Parce qu'on a un métier qui est fabuleux, c'est qu'on va recevoir des produits que la nature, quelque part, nous offre. Et en plus, on a une transformation qui est immédiate, pratiquement. Parce qu'on a deux fois par jour le résultat de notre travail. Incroyable. Et où on doit nous des fois un petit peu s'adapter aussi aux produits parce qu'ils ne sont pas tous pareils. Donc ça c'est ce challenge de s'adapter, d'arriver à tirer le meilleur d'un produit frais, ça reste la principale motivation. Après mon contact avec les jeunes, mon contact avec la clientèle, avec tout ça, avec les fournisseurs. Donc c'est toutes ces petites choses mis à bout qui font que je suis épanoui, que je suis à l'aise là tous les jours. Et ma journée elle passe comme ça et encore j'ai pas le temps de faire tout ce que je voulais. Après une enfance en Suisse, dans le Jura bernois, dans une famille où la cuisine avait une place de choix, c'est presque tout naturellement que le chef Franck Giovannini s'est tourné vers la gastronomie. Amoureux des produits du terroir, il fait un stage au sein de la cuisine du chef Freddy Girardet, 3 étoiles à l'hôtel de ville de Crissier. Il part quelques mois à New York avant d'y revenir. Et c'est en 2016, à la suite du suicide tragique du chef Benoît Violier, qu'il prend la succession de cette institution triplement étoilée depuis 60 ans, sous l'égide de 4 chefs différents. Une histoire que l'on peut découvrir au sous-sol du restaurant. C'est un bel hommage pour moi sur toute l'histoire de cette maison, surtout sur les chefs qui sont succédés. Moi, ça fait, on a les 4 travaillés ensemble, ce qui est incroyable. 4 chefs qui succèdent avec 3 étoiles Michelin. Il y a des restaurants qui ont eu 4 chefs d'affilée sans jamais perdre une étoile. Donc des fois, les gens de la région ne s'en rendent pas vraiment compte, mais c'est une histoire qui est carrément unique au monde. Et ça, c'est à moi maintenant j'ai un peu de mission, hein, c'est de perpétuer cet héritage, continuer à le faire évoluer, et puis un jour, j'espère, de le transmettre à quelqu'un d'autre. Le but, c'est pas qu'elle s'arrête, justement, c'est d'avoir une 5e génération qui arrive après. Une transmission que le chef apporte au quotidien à ses équipes. L'état d'esprit que j'ai actuellement, ça, j'en suis fier, parce qu'il y a un état d'esprit où j'ai des gens qui sont confortables, qui sont à l'aise. Et ça, c'est très important pour moi. La rigueur, elle est toujours là. L'exigence, c'est la même, mais il y a ce côté respectueux qui n'était pas forcément le cas il y a 30 ans. Mais ça, c'est une belle évolution pour moi. Et je dois dire que j'ai la chance d'être entouré par des chefs également qui sont là depuis de nombreuses années avec moi. Donc c'est important d'avoir un noyau dur. On a aussi un métier où les gens sont assez passionnés de ce qu'ils font. Celui qui n'est pas passionné, en général, il ne fait pas ça longtemps. Donc on a des gens qui ont envie d'être là, qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de faire bien. Et ça, c'est génial de diriger une équipe comme ça.
Franck Giovannini est attaché à changer ses cartes à chaque saison et en a même créé une cinquième qui intervient entre le printemps et l'été. Et pour assurer un tel roulement, chaque matin, le chef établit les prochains plats. Dans un menu, je suis obnubilé par la répétition. Donc il n'y a pas deux fois la même chose. Donc, c'est comme un petit puzzle. Si je mets le fenouil avec le poisson, je n'ai pas de fenouil après ou avant. Donc tous mes plats sont pensés entre la... Il n'y a pas deux fois le même produit, le même légume, la même saveur, la même assiette. Donc tout ça, je le note par écrit. Et quand je suis prêt avec ça, on attaque en cuisine avec les chefs, avec les cuisiniers. C'est aussi une manière de les former directement, de faire des essais ensemble. Puis là, on peut en parler, on peut un petit peu interagir. Une fois ces recettes imaginées puis testées, avec ses sommeliers, il déguste des vins pour pouvoir proposer une carte qui se mariera parfaitement avec ses plats. Une expérience gastronomique afin que chaque sens soit en éveil, et pour cela, ça passe évidemment par la carte, mais également par l'accueil en salle. Un aspect très important pour le chef qui fait un tour de table à chaque service pour venir au contact de ses clients. Il y a beaucoup de clients qui vont réserver leur table en partant. Ça, c'est le meilleur des baromètres, hein, de se dire, tiens, quand on a passé un bon moment, on réserve pour la fois d'après. Ça veut dire que ça c'est le meilleur truc qu'on peut avoir. Donc ça, c'est vraiment... Puis la clientèle régulière, elle fait plaisir aussi, parce que il y a aussi un lien d'amitié qui se lie, des gens qu'on connaît, et puis ça fait du bien de voir, le plaisir de voir des gens qui deviennent des amis à la longue. Et ça, cette fidélité, le nombre de clients qu'on a dans cette maison, qu'on a mangé des quatre chefs, c'est dingue. Nombre de gens tous les jours qui me disent j'ai mangé, M. Girardet, M. Rochat, Benoît et toi, c'est fabuleux. Un restaurant à l'histoire unique au monde et dont le chef Franck Giovannini perpétue la noblesse et la passion à travers une cuisine de produits chère à ses prédécesseurs. Bonjour Franck. Bonjour. Franck, vous êtes parti de la famille quand vous aviez 15 ans en tant qu'apprenti cuisinier. Est-ce que ça, c'était un choix évident pour vous, pour votre famille ? C'était un choix évident, oui. J'ai toujours été attiré par les métiers de bouche, quelque part. La boulangerie, au début, m'attirait beaucoup. J'ai fait des stages en boulangerie, en cuisine. Puis la diversité de la cuisine, en fait, m'a fait choisir ce métier. J'ai aussi un papa qui voulait être cuisinier, qui n'a pas le droit. Donc lui était tout content que je me dirige dans cette voie. Et je me suis rendu compte assez vite que c'était mon truc. Ça, c'est une chance, parce que je vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont du mal à trouver leur voie. Votre plat d'enfance, je crois que c'est un bœuf sauté au poivron, un bœuf stroganoff en quelque sorte. Vous êtes renseigné. Qu'est-ce qui vous évoque ce plat ? C'était un plat de fête un petit peu. Mais on a eu la chance de bien manger à la maison. On est avec des parents qui cuisinaient, ma maman qui cuisinait évidemment tous les jours, mon papa qui cuisinait plutôt quand il y avait beaucoup de monde, les week-ends. Mmh. Et c'est vrai que ce bœuf au poivron, c'est toujours été assez drôle, parce que c'est un plat qu'on fait même un peu ici au personnel, ça nous arrive. Vous avez dit un jour qu'en dehors du travail, il faut du talent et de la chance. La chance, on dirait que vous l'avez eue quand une place s'est libérée ici, à l'hôtel de ville, mais il fallait venir tout de suite. Vous avez réfléchi quand même un peu, ou vous vous êtes dit, voilà, ça c'est la chance de ma vie, je vais venir ici. Non, alors j'ai pas réfléchi du tout. En plus, c'était une maison. J'ai eu la chance de faire un apprentissage chez un chef qui avait travaillé ici, qui m'a envoyé chez un ami à lui à New York qui avait aussi travaillé ici. J'entendais beaucoup d'histoires un peu compliquées sur cette maison, comme la difficulté, la rigueur qu'il y avait, comment c'était dur de travailler à cette époque encore avec M. Girardet, où c'était vraiment un peu à l'ancienne. Donc je me disais toujours, ouais, c'est pas mon truc, j'ai pas envie d'y aller. Quand je suis rentré de New York, c'est vrai que mon chef m'a dit, j'ai appelé M. Girardet, va voir. Puis je suis arrivé, c'est vrai qu'il y avait quelqu'un qui était parti, ils m'ont dit, ok, mais demain. Je venais d'arriver, j'ai pas trop réfléchi, j'étais là le lendemain. Et vous êtes toujours là. Et voilà, 28 ans après, on est encore là. Justement, 28 ans après, est-ce que ça vous fascine toujours autant ? Est-ce que c'est toujours le bon endroit pour vous aujourd'hui ? Ah oui, complètement. Bon, c'est vrai qu'il y a eu une évolution. Hein. En 28 ans, on a passé par toutes les étapes. Même si, évidemment, pour moi, la dernière étape n'était pas prévue. Avec Benoît Violi, on a travaillé ensemble pendant 20 ans. Le but, c'était plutôt de s'arrêter ensemble, pas que je lui succède, parce qu'on n'avait pas une grande différence d'âge. Les circonstances ont fait que j'ai dû reprendre la maison. Mais non, je suis épanoui. Je suis. C'est ma seule hantise. C'est que cette flamme cette passion qui nous anime tous les jours pour venir le matin et avoir le plaisir de faire ce qu'on fait toute la journée, ça s'arrête. Parce que si on n'a plus envie, je pense que c'est long, la journée. Alors que là, j'ai un plaisir fou à faire ce que je fais. À la succession de Benoît Violier, évidemment, c'était inattendu. Et vous aviez cette pression de garder ces trois étoiles mythiques depuis 60 ans, comme vous disiez. Cette pression est parfois lourde. Alors j'ai la chance de bien le vivre.
Je pense qu'on est fait pour ça ou pas. C'est pas quelque chose qui est tout le temps dans ma tête en pensant aux étoiles. Moi, ma mission tous les jours, c'est de nouveau, c'est d'avoir des collaborateurs à l'aise, des clients heureux, et la mission, elle est en gros accomplie. Les étoiles, on a toujours appris ici que si on fait bien son travail, ben ça va aller avec. Mais évidemment, la première année, on y pensait quand même, de se dire, est-ce qu'ils vont nous enlever une étoile? J'aurais été le premier à avoir deux étoiles ici à Crissier. Donc je sais que j'ai demandé beaucoup à mes collaborateurs en termes d'énergie, de qualité. Je savais qu'il ne fallait pas être moins bon. Et l'équipe a été incroyable. Est-ce qu'à votre niveau, donc justement avec ces trois étoiles, avec tout ce succès que vous avez, il vous arrive encore de douter sur une association, un plat Bien sûr. C'est comme quand on parle de pression. Pression, c'est pas un joli mot, c'est pas très positif pour moi, mais la pression, on en a besoin quand même tous les jours. La tension, on va dire. Pour deux fois par jour, être prêt. Et là, le doute, il est quelque part important parce que ça évite l'arrogance et ça évite de se dire tiens, ce que je fais, c'est parfait. Je suis très sensible aux commentaires de mes clients. Alors justement, faire plaisir aux gens, c'est aussi leur procurer de l'émotion, puisque la cuisine, c'est un métier d'émotion. Quel serait le plat que vous enlèverez jamais de la carte? Mais ici, il y a une histoire un peu particulière, hein, avec quatre chefs qui se sont succédés. C'est une histoire qui est unique au monde même. Et depuis la période Benoît Violet, on a commencé à faire des... En fait, on change tout le temps. Dans les menus, chaque année, les plats ne sont pas les mêmes. Les produits sont les mêmes et les plats sont différents. Il y a quelques plats, par contre, qu'on garde, des prédécesseurs. Donc, il y a le soufflé à M. Girardet, par exemple, qu'on n'enlèvera jamais. C'est très important de le garder. Ça fait une cinquantaine d'années que c'est à la carte et les clients sont heureux de le retrouver. Et ça, c'est quelque chose que c'est un magnifique exemple d'un plat qui est important de garder par rapport à sa qualité, à l'émotion qu'il va procurer, mais aussi par rapport à son histoire, qui est très importante chez nous. Merci beaucoup, chef. Merci à vous. La marque néerlandaise Victor et Rolf renverse les stéréotypes de la haute couture classique avec des silhouettes qui défient les lois de la gravité. Des robes de bal, sublimes, parfaitement construites, qui déploient des mètres de tulle et de broderie dans des teintes pastel à tomber. Une démonstration de haute couture, comme on n'en fait plus, mais attention aux apparences. Nous sommes chez Victor et Rolf et derrière cette perfection se cache une critique acérée de notre rapport à l'image. Victor Horsting et Rolf Snoren, c'est la haute couture mise sans dessus-dessous. La fusion d'un corps et d'un lit, des pièces trouées comme du gruyère ou des messages plaqués en grosses lettres sur des robes de bal. Pour leur collection été 2023, le duo de créateurs néerlandais s'empare des images d'Épinal de la haute couture classique et les renverse, littéralement, pour questionner leur caractère aliénant. Ils se sont inspirés du sentiment de confusion qui survient lorsque défilent sur nos écrans des images idéalisées et des informations anxiogènes. Ils ont intitulé leur collection « La valse du capitalisme tardif ». Une façon de pointer, avec humour, la quantité d'informations que l'on absorbe au quotidien, où se mêlent l'angoisse et le désir de consommer. Quand on place sur le même plan photos de défilés et récits de guerre, la haute couture, comme idéal de perfection, devient presque un anachronisme et une utopie aliénante. Pour l'évoquer, il présente des robes qui traversent le corps, qui s'échappent du buste, qui se place en retrait. La femme s'éloigne du vêtement comme pour prendre de la distance avec un rêve qui l'a déçue. La robe, elle, flotte désormais dans le vide comme l'image évanescente d'une perfection désuète. Les pièces opèrent des rotations autour du corps comme les images dont on modifie l'angle sur des logiciels de retouche. Victor et Rolf ont mélangé les techniques traditionnelles de confection à la modélisation en 3D pour créer des pièces aux proportions parfaites qui vont jusqu'à défier la gravité. Plus loin, un corps semble transpercé par une robe coupée en deux, laissant apparaître le vide, une allégorie on ne peut plus claire de ce que l'époque fait à nos corps et nos esprits. Ce sont ainsi les principes mêmes de confection, si codifiés en haute couture, que les créateurs proposent de faire évoluer. Finalement, loin d'être figés dans le passé, ces robes de bal déconcertantes déplacent le curseur de la mode
ouvrent des possibilités, construisent des ponts entre références historiques et avenir technologique. Comme à leur habitude, Victor et Rolf mêlent le beau à la critique, l'humour à la virtuosité. Et ce faisant, ouvrent un peu plus la frontière de la mode, rappelant que le plus futile des terrains renferme parfois les plus profondes réflexions. Chez Swissco, on ne plaisante pas avec les coucous. Fluo, personnalisé, revisité, Alexandre et Martineau n'ont de limite que celle de leur imagination. Le coucou, c'est comme le chocolat et quelques icônes qu'on va rencontrer en Suisse. Il est vraiment implanté dans les mentalités. Et soyons honnêtes, le coucou, c'est un objet totalement insolite. Imaginez que vous avez une maison bucolique dans laquelle vit un oiseau qui chante une fois par heure. Donc le scénario du coucou en soi nous a vraiment plu par rapport à ce qu'il évoque, par rapport aussi à la partie de rêve qu'il intègre. Puis je crois qu'un coucou, ce qui est sympa, c'est que ça sert merveilleusement à rien, quoi. Je veux dire, c'est quelque chose, voilà, c'est purement émotionnel. Et puis nous, on adore ça. C'est que ça, on peut vraiment se lâcher en termes de créativité. Alexandre est mécanicien de précision et Martineau décorateur, amis d'enfance depuis leurs 12 ans. Ils ont créé ensemble en 2013 Swissco pour redonner ses lettres de noblesse au coucou suisse, emblème du pays, mais qu'ils sont aujourd'hui les seuls à fabriquer en bois et de manière artisanale. Coucou plus traditionnel, coucou aux couleurs pop ou personnalisés, ils imaginent ensemble chaque modèle. Une fois le design choisi, c'est grâce à une découpe laser que chaque pièce du coucou est façonnée. Puis en fonction de la couleur, chaque élément sera ensuite teinté ou peint. Ça dépend un petit peu de la couleur. Chaque couleur un peu a sa technique. Des fois, c'est la face avant, avant la face arrière. Enfin bref, c'est un petit peu à l'instinct. On a développé ça avec le temps. On s'est rendu compte que le résultat donnait mieux si on faisait comme ci ou comme cela. Donc on va mettre une première couche comme ça. Toujours aussi l'arrière. Si on ne met pas de teinture à l'arrière, même si la pièce elle ne va pas se voir, enfin cette face-là ne se voit pas, en fait ça va faire gondoler le bois. Donc il faut mettre des deux côtés pour homogénéiser en fait la déformation. Même lorsque Martineau colore ses éléments, il s'assure de bien peindre les deux faces. En fonction du modèle, il vient également ajouter des touches de couleur sur les décors. Un coucou, c'est du décor, mais également de la mécanique et de l'horlogerie. Il y a déjà deux types de coucous. Hein. Donc, il y a des coucous avec des piles et des coucous avec des mécanismes à l'ancienne. Donc, c'est un mouvement qui est assez archaïque, qui fonctionne avec des poids. Donc, c'est pour ça qu'il y a des chaînes et des poids attachés dessus. C'est en fait la gravité qui donne énergie au coucou. Donc, c'est vraiment des mouvements mécaniques à l'ancienne avec des leviers, des rouages, enfin voilà, comme dans une montre un petit peu, comme dans une vieille pendule. Et pour un coucou mécanique, il faut régulièrement remonter les poids. Pour remonter un coucou, en fait, vous tirez sur la chaîne opposée au poids. Hop. Et votre coucou, il est remonté pour 8 jours pour ce modèle. Donc, il y a 8 jours de réserve de marche en remontant une fois le poids. Donc c'est quand même des poids qui font un peu plus d'un kilo. Et voilà, donc une fois qu'on a remonté le poids, il y a l'énergie qui est stockée dans le coucou. Et pour le lancer, ben, vous tapez sur le balancier. Il assemble ensuite chaque pièce comme le balancier qui, tel un métronome inversé, donne la vitesse du tic-tac. Martineau installe ensuite la marque de fabrique d'un coucou, sa musicalité si reconnaissable. Donc ça, c'est des petits soufflets. Donc il y a une note majeure et une note mineure. D'ailleurs, c'est le coucou qui a été choisi pour faire un chant de coucou, c'est parce qu'il avait le chant le plus simple. Voilà, c'est tout bête, hein. Donc il n'y a que deux sons, et puis avec ces deux sons, on peut imiter le chant du coucou. Il va ensuite pouvoir relier et actionner tout le mécanisme, les soufflets, l'oiseau, les aiguilles, et finir d'assembler chaque pièce. Et pour faciliter l'entretien des coucous, Martineau et Alexandre n'utilisent ni clous ni colle. Finalement, un coucou, c'est un assemblage de bois et de mécanique. Et pour ça, on essaye de ne pas utiliser de colle, on essaye de faire quelque chose qui est réparable dans 10-15 ans, par exemple, faire un service, lubrifier le mouvement. Parce que comme tous les mouvements mécaniques, bah, ça s'entretient quand même. Il faut les soigner, il faut les utiliser. Un mouvement comme une montre,
n'aime pas quand on n'utilise pas. Hein, c'est un peu comme, comme si on adoptait un petit animal de compagnie. Donc il faut s'en occuper un petit peu. Donc ça veut dire qu'il faut l'utiliser surtout. Ambassadeur de l'emblème de tout un pays, Alexandre et Martineau continuent à perpétuer une tradition chère à la Suisse tout en apportant une touche d'originalité à leur coucou. Version française est déjà terminée. J'espère que cette émission consacrée à Lausanne et ses alentours vous a plu. On se retrouve très vite pour toujours plus de découvertes. Bye !